frémissances et émois, les crochets de la porte, du cœur du maladroit, saisissant de revers de sa boutonnière, Lucie accroche l'homme par la proie attirée. Il se presse contre elle. D'un crochet adroit, Lucie dissuade le prétendant, le contraint à de meilleurs serments. S'éloignant violemment de la piste à danser, elle laisse l'homme pantelant se mettre à s'agiter sur la piste à danser, livide et possédé. Quand elle danse, une main dans sa poche, sa tête imitant métronomiquement une pendule emballée, balancier sa cadence, ses cheveux emportés, secoués de spasmes sautillants, les danseurs. Agile comme un singe, elle s'assoit sur son arrière-train, contemple les danseurs tribalement torturés, dans des gestes secoués, s'agitent étrangement comme les bulles stressées d'un soda englué. Sur la piste à danser, l'homme, la dévisageant, s'enferre à ses côtés.